Bonjour. On avait cinq chapitres. Le premier chapitre, ce jeu, c'est, je pense, introduction Linux. Le deuxième chapitre, c'est installation Linux. Troisième chapitre, c'est ce qu'on appelle présentation générale. Quatrième chapitre, c'est ce qu'on appelle les environnements graphiques. Et cinquième chapitre, c'est le chapitre installation d'une application. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle chapitre 6, et exactement, c'est les commandes de base. On va, par exemple, on va le découper en plusieurs parties. Première partie, on va vivre ce qu'on appelle, on va vivre ce qu'on appelle comment on va connecter et déconnecter un utilisateur, démarrer et redémarrer, et on va voir ce qu'on appelle l'aide. Premièrement, donc, comment on va, par exemple, identifier ou ce qu'on appelle de connecter un utilisateur. On a deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode graphique, et deuxième méthode en ligne de commande. On a des systèmes d'exploitation qui contient, par exemple, les deux, c'est-à-dire graphique et en ligne de commande. Pour les anciens distributions, par exemple comme Unix, etc., on a juste l'interface en ligne de commande. Donc le système, il va me saisir login comme ça. Donc il va me saisir login comme ça. Et devant ce login, l'utilisateur va taper l'identifiant ou l'utilisateur. Et après, il va valider ou entrer. Et le système, il va me demander, par exemple, le password, comme ça, par exemple, password. Et l'utilisateur va taper le mot de passe. Et après, l'authentification est faite. Donc, la même chose pour déconnecter. On va utiliser le goat, ça c'est toujours en mode texte, et pour déconnecter en mode texte, on va utiliser ce qu'on appelle déconnecter. On a d'autres commandes ici, c'est pour passer d'un utilisateur vers un autre, c'est-à-dire pour changer l'utilisateur. Exit pour sortir, soit exit, soit contrôle D. On va tester tout ça dans les distributions qu'on a déjà installées. Pour la distribution Fedora, donc elle va me demander, par exemple, ça c'est en mode graphique, elle va me demander l'utilisateur. On peut par exemple changer l'utilisateur comme ça. Elle va me demander, par exemple, de faire identifier l'utilisateur. On va choisir, par exemple, soit utilisateur, soit autre. Pour le moment, c'est utilisateur. Et après, elle va me demander le mot de passe. On va saisir le mot de passe. Voilà. Et voilà. Donc, elle va faire ce qu'on appelle authentifier. Elle va me loger dans le système de la distribution Ubuntu. Ça, c'est concernant le Fedora. Donc, et concernant la partie graphique. Pour changer, on a dit pour changer l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe d'un utilisateur simple. C'est l'utilisateur user. Pour changer l'utilisateur, on va saisir issue, donc et le nom d'utilisateur. Mais pour le moment, on va passer vers l'administrateur. Donc pour l'administrateur, on ne va pas saisir, par exemple, root. Soit on va saisir root, soit on va laisser vide. Voilà, il va me demander le mot de passe de root. Donc on va saisir le mot de passe. Et voilà, ça c'est le signe comme quoi, voilà, c'est l'administrateur. On peut par exemple faire sortir de cet utilisateur. Donc on va cliquer sur soit exit. On va tester le logout. Et voilà, elle va me donner un message. Page logout, non, not login, shell use exit. On va utiliser exit. Et voilà. On va tester une nouvelle fois SU. Voilà le mot de passe. Et on va tester ce qu'on appelle contrôle D. On va tester contrôle D, c'est-à-dire contrôle avec le clavier D. Et voilà, elle va me donner, par exemple, elle va quitter cet utilisateur. On peut par exemple utiliser ce qu'on appelle déconnecter avec le graphique.
ici, on peut par exemple faire déconnecter avec graphique. Fermer la session, etc. Ça, c'est concernant la distribution Fedora. Pour la distribution Ubuntu. Donc, elle va me demander, par exemple, l'identifiant. On va saisir le nom d'identifiant, par exemple, si user. Et après, elle va me demander le mot de passe. On va saisir le mot de passe et entrer. Donc, automatiquement, elle va me faire authentifier en tant que user. Et après, on va par exemple utiliser ce qu'on appelle, on peut par exemple faire déconnecter, c'est-à-dire fermer la session ici, toujours en mode graphique. En mode texte, on va par exemple utiliser terminal, et après on va changer ce qu'on appelle l'utilisateur avec la commande su et root. Voilà le nom de l'utilisateur. Il va me demander le mot de passe. C'est par exemple, on va saisir le mot de passe. Voilà. Et voilà, en tant qu'administrateur, on va par exemple faire déconnecter l'administrateur avec la commande toujours soit exit, soit la commande contrôle T. Donc, on va saisir exit et voilà. Ça, c'est concernant, on peut par exemple faire graphiquement avec fermer la session et voilà. Pour la distribution Mandriva, donc toujours elle va me demander le nom d'utilisateur. Ici, on va saisir le nom d'utilisateur et après on va saisir le mot de passe. Ça c'est pour faire l'authentification d'un utilisateur au niveau d'une distribution Linux. Et après elle va me, par exemple, authentifier en tant qu'utilisateur. On va lancer ce qu'on appelle, on peut par exemple faire déconnecter, toujours le bouton ici, Mandriva, et quitter, et voilà, déconnecter la session. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle la ligne de commande, donc avec ce qu'on appelle le shell. Voilà. On peut par exemple faire authentifier en tant qu'administrateur avec la commande su et root, soit on va saisir root, soit on va laisser vide. Toujours, mais pour authentifier en tant qu'autre utilisateur, il faut mentionner le nom d'utilisateur. Donc ici, on va laisser vide. Donc, il va me demander le mot de passe. On va saisir le mot de passe et entrer. Voilà, je suis en tant qu'administrateur. Pour faire fermer la session d'administrateur au niveau de shell, ou ce qu'on appelle le terminal, on va saisir exit. Et voilà. On va le déconnecter donc graphiquement comme ça et voilà donc on va sortir de la session d'utilisateur user 1. Ça c'est concernant connecter et déconnecter. On a par exemple la deuxième partie, c'est l'arrêt et le redémarrage du système. On a trois commandes. Donc la commande hold qui permet d'arrêter le système. Donc c'est la commande hold qui permet d'arrêter le système. Et la commande reboot qui permet de redémarrer le système. Et la commande shutdown donc pour arrêter le système. Et shutdown moins R pour redémarrer le système. On va l'utiliser, on va tester ces commandes avec notre avec les distributions qu'on a déjà installées. Donc, on va tester sur Mandriva. On va plonger en tant qu'utilisateur user avec leur mot de passe. Et voilà. On va faire redémarrer avec la commande. On va utiliser ce qu'on appelle le shell. On va redémarrer, on va arrêter ce qu'on appelle
arrêter le système avec la commande ORD. Entrée. Donc, impossible. Voilà. Donc, on voit par exemple, ça c'est ce qu'on appelle. Donc, elle va l'arrêter. Donc, le système Mandriva. On va démarrer, on a démarré le système manuellement. Et après, on va tester ce qu'on appelle la commande reboot ou shutdown moins R, etc. User, voilà l'utilisateur. Et voilà. Voilà, on va tester deuxième commande. C'est la commande reboot. Elle va me redémarrer le système. Voilà. Redémarrage. Redémarrage du système. On va tester la commande shutdown. On a dit que moins R, elle va redémarrer et sans moins R, donc elle va faire arrêter le système. On va mettre moins R et now, elle va, donc en tant que administrateur, elle va me demander que voilà, pour faire le redémarrage, tu dois par exemple passer en tant qu'administrateur. Voici ici par exemple le mot de passe administrateur et voilà, il va faire redémarrer le système. Voilà, c'est le redémarrage du système. On va tester ça avec une autre distribution. On va tester la commande halt avec la distribution Ubuntu. Donc, on va par exemple loger en tant qu'utilisateur. Et après, on va lancer le terminal. Et après, on va saisir ce qu'on appelle la commande halt. Donc, la commande halt, c'est pour redémarrer, pour arrêter. On va par exemple l'utiliser pour redémarrer le système reboot. Donc, ça c'est pour arrêter donc le système. On va écrire. Nécessite d'être super utilisateur, c'est-à-dire donc, pour faire le redémarrage avec la distribution Ubuntu, donc tu dois être un administrateur. Pour ça, on va utiliser SU et on va loger en tant qu'administrateur. Voilà. Et après, on va utiliser la commande reboot. Et voilà. Donc, concernant, donc le système, il va me redémarrer la machine, etc. Donc, on va utiliser, on va loger en tant qu'utilisateur, user. Désolé pour le mot de passe. Voilà. On va lancer le terminal et après on va ce qu'on appelle redémarrer le système avec la commande shutdown. Moins R c'est pour redémarrer et sans moins R c'est pour arrêter. Donc now et voilà. Donc toujours il nécessite d'être un administrateur. SU, voilà. Et après, on va répéter la commande. Donc, c'est la commande shutdown. Moins R. Shutdown, now.
Et voilà, donc le système, elle va me redémarrer, donc la commande, elle va me redémarrer la machine. On va tester les commandes avec une autre distribution, c'est la distribution Fedora. On va, par exemple, on va loger en tant que utilisateur. Voilà. On va lancer le terminal. On va par exemple tester la commande halt. Et voilà, donc le système, la commande, elle va arrêter par exemple la machine, notre machine. C'est l'arrêt. On va démarrer la machine manuellement. Bon, on a testé les commandes sur les distributions. C'est la même chose que pour toutes les distributions. Pour nous, on va, par exemple, toujours on va tester sur une seule ou deux distributions. On va passer vers d'autres commandes. C'est les commandes de manuel. C'est ce qu'on appelle l'aide pour m'aider. Donc, pour me donner quelques informations sur les commandes, etc. On a la commande main et la commande à propos et la commande info. Donc, et la commande clé, c'est pour effacer le terminal. On a déjà utilisé la commande clé pour effacer le terminal, etc. Donc, on va passer dans les machines pour tester ces commandes-là. On va par exemple authentifier en tant qu'utilisateur dans la distribution Fedora, exactement toujours la distribution 10. On va lancer le terminal et après on va par exemple tester la commande main. On va par exemple afficher quelques informations pour la commande halt main et le nom de la commande. La commande main et le nom de la commande, c'est halt. Elle va me donner par exemple les détails de la commande halt. On a déjà vu la commande halt, c'est pour par exemple pour arrêter. Donc halt, c'est sans dénom pour arrêter et redémarrer le système. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pour. Donc pour quitter l'aide, on va cliquer sur colon minuscule. Long minuscule. On peut l'utiliser info, par exemple la commande info, pour m'afficher toujours les détails de la commande halt. Voilà. Et pour quitter toujours, on va utiliser la commande colon minuscule. Par exemple, lorsque je ne sais pas exactement la commande, ça s'écrit comment, donc on peut utiliser par exemple à propos. À propos et une partie par exemple, de la commande, par exemple, halt. Je ne sais pas, par exemple, comment s'écrit halt avec T. Donc, on va saisir à propos halt. Elle va me donner, par exemple, les commandes qui contiennent, par exemple, halt, halt, etc. Toutes les commandes et voilà, notre commande. Donc, c'est reboot ou stop le système. Clear, c'est pour effacer, on a dit pour effacer l'écran, voilà ce qu'on appelle le terminal. On a ce qu'on appelle, par exemple, pour connaître, on a par exemple l'aide, on a plusieurs catégories et plusieurs chapitres. Donc, 8 chapitres, chaque par exemple, un ensemble de commandes dans une chapitre. Pour connaître la commande de quel chapitre, on va par exemple mettre main et le paramètre moins k, par exemple, hot. Il va me donner par exemple, c'est dans ce qu'on appelle le chapitre ou la catégorie 8. Ça, c'est concernant
Donc, la commande main, la commande info et la commande, par exemple, à propos et la commande clear pour, par exemple, effacer donc le terminal. On va tester ça dans une deuxième distribution, c'est Ubuntu. On va lancer ce qu'on appelle le shell ou le terminal. Et après, on va tester ce qu'on appelle la commande main pour la commande. On va l'afficher l'aide de la commande, par exemple, les reboot. Et voilà, il va me donner, par exemple, les détails. Pour quitter donc l'aide, on va cliquer sur colon minuscule avec le clavier. Donc, on peut, par exemple, utiliser la commande info, l'aide avec info, info et reboot. Donc, la même chose, on peut, par exemple, mettre colon pour quitter. Par exemple, je ne sais pas comment s'écrit, par exemple, cette commande. On va, par exemple, saisir et à propos. À propos, par exemple, le mot reb. Voilà, elle va me donner, par exemple, reb, c'est reboot, voilà. Donc, ça, c'est pour chercher, donc, exactement la commande, comment ça s'écrit, etc. On peut, par exemple, utiliser la commande clear pour effacer, donc, le terminal. Et on peut utiliser ce qu'on appelle pour connaître la catégorie ou le chapitre de la commande. Main, moins, reboot, elle va me donner par exemple de quel chapitre c'est chapitre 8. Et merci, voilà, donc ça c'est concernant ces chapitres. Merci pour votre attention. Donc la commande main, à propos, info sont des commandes pour m'aider. Donc on va l'utiliser plus que fois plusieurs fois. Donc, c'est pour m'aider de connaître les commandes, leurs options, etc. Merci pour votre attention. À bientôt jusqu'à la deuxième partie du sixième chapitre.